Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Baby Boom Challenge et on se retrouve tout de suite en jeu avec Larry et Freya. Alors la dernière fois on s'était arrêté sur Freya, est-ce que Freya d'ailleurs était enceinte? Je crois que oui. Nouveau bébé, ok, je crois qu'elle est enceinte, oui, manger pour deux. Ok, et elle attend déjà son deuxième trimestre dans 23 heures, ok, donc ça c'est top. Est-ce que d'ailleurs on a eu la naissance de nos autres enfants? C'est vrai qu'on n'avait jamais regardé ça avant, ce serait quand même plutôt sympa parce que c'est vraiment le but en plus de ce challenge. Hop, on va regarder. Est-ce qu'ils ont accouché? Non. Ah non, je suis trop déçue. Ils ont toujours pas accouché les autres. Je suis assez triste. Qui est-ce qui pleure? C'est le bébé. C'est Sakura. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire des noms et des prénoms en rapport avec le thème des animés et des mangas. Comme ça, on pourra les nommer avec les prénoms que vous m'avez écrit en commentaire. Alors, il faut que Larry engrosse d'autres personnes. Car là, on a quand même pas trop réussi là. Comment dire? Ok, il y a Nina et Vanessa qu'on peut ajouter. Enfin, si, on a quand même réussi, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de résultat. Mais on va quand même inviter... de notre groupe, Vanessa et Diana, Nina, pardon, oula, ok, alors Jeanne on peut pas, Geneviève on peut pas également parce qu'elle a trop de place dans son foyer, donc on va inviter Nina, on va dormir un petit peu, encore un petit peu, et tout simplement Larry va faire des bébés quoi. Ok, il est 6h du matin, Larry dort encore, et il n'y a pas un chat dans les rues, ça c'est pas foufou, en plus c'est la journée de l'amour, comment dire, qui c'est un petit peu le carnage, je pense qu'on va sortir avec Larry, ça va être plus simple. Oh, une femme. Zoé. On va se présenter de façon romantique. Zoé, on la connaissait pas, Zoé. Ok, bon, Larry a mis trop de temps à se réveiller. Du coup, je n'ai pas rencontré Zoé. Je suis vraiment très déçue de Larry. Oh, une Winx. C'est une Winx. Là, on a une dame. Bonjour. C'est ce qu'on va faire. Et ouais, je pense qu'on va bouger. On va aller dans un bar ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus simple. Une dame. Eva. Juniper. Juniper, on n'a pas. Bah voilà, on va rencontrer plein de monde là. En plus, faut qu'on se dépêche parce que notre femme, elle est déjà au deuxième trimestre dans pas trop longtemps. Et ça va être un petit peu the carnage. Est-ce qu'elle est enceinte? Oh ouais, elle est enceinte. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, j'aurais voulu qu'il rencontre quand même les femmes que je lui avais demandé. Va te présenter vite. J'en ai marre que tu perdes trop de temps. Oh, cette demoiselle Marianne, on la connaît pas elle. Présentation de dragueuse, on va faire ça. Oula, on a une mauvaise impression avec elle. Ça c'est pas cool, mais c'est pas grave. On va ajouter Marianne, voilà. On a quand même pas mal de choses qui sont remplies. Je pense qu'on rencontre encore une dernière femme. Et après, vamos hein. Ok, c'est l'anniversaire de Sakura et Sasuke. Ça c'est top, par contre ça commence à me tendre. Mais à me tendre, qui ne... disent pas bonjour en fait quand je lui demande de dire bonjour. Freya appelle. Et je suis en train de royer, c'est stressant, mais je voulais juste t'appeler pour savoir si tu passais une bonne journée, te dire que je t'aime et je t'apporte à manger. Mais c'est vraiment trop chou. Et là vraiment il est parti aller lui acheter un tacos pour lui donner au travail. Mais c'est quoi cette interaction? Elle est vraiment trop mignonne comme interaction. J'étais même pas au courant qu'on pouvait faire ça. Bon, on loupe un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que c'est quand même quelque chose de mignon. On va leur changer d'âge. Hop, allez, action, réaction. Alors, 1, 2, 3, et il sera calme. Ça c'est bien, ça souké. Que tu n'es pas dans l'animé d'ailleurs. Et Sakura elle sera 1, 2, 3 calme également, tout ce qu'elle n'est absolument pas également dans l'animé. Ok, trop mignon, ils sont vraiment trop choupidou. Je pense que je vais quand même engager une nounou pour s'occuper d'eux parce que je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse crac crac. On invite tout ce beau monde à la maison et on commence les petites séance. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle? D'ailleurs Ariel m'a pas donné d'enfant encore. Mais c'est quoi ce bazar là? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas encore accouché les autres femmes? Alors bon, c'est pas grave, on va du coup... Elles sont où toutes les femmes? Ok, elles sont là. On va du coup amour, intimité et essayer de faire un bébé dans la douche, pourquoi pas. Par contre faut vraiment pas que notre femme elle rentre pile à ce moment là parce que vraiment ce serait the carnage. Action, réaction. Ok, donc elle s'est fait. Oula, bouge pas ma belle, tu vas passer juste après. Voilà, on va faire un petit bébé tout simplement dans le lit. Voilà, et on peut enlever Ulrich du coup du groupe. On va faire ça tout de suite. Hop, voilà. L'autre, je sais pas où elle est. On va recommencer une réunion. Hop, commencer la réunion. Voilà, on va faire ça avec Nina, vu que l'autre, je sais pas où elle est partie. Mais ma nounou, il me dérange en fait. Voilà, tu peux aller t'occuper de mes gosses, s'il te plaît, comme je t'ai demandé, pas t'occuper de mes potentielles maîtresses, parce que là, ça commence à bien faire. Oh non, il y a ma femme qui est rentrée. Stop, 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 stop. Elle va faire du bénévolat.
Larry va louper tout simplement son petit truc là, son travail tout simplement. Larry, tu arrêtes ça tout de suite, s'il te plaît. J'aimerais que tu ailles faire un bébé avec Nina, comme je te l'ai demandé depuis une demi-heure. Avec Nina, c'est en train de se faire. Ok, Nina, c'est ok, on peut la supprimer du groupe, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On continue avec Demoiselle. Désolée, faire quelque chose avec des hommes ne m'intéresse pas. Ok, bon bah on va essayer avec Miko, hein. Voilà, on n'a que ça à faire de toute façon. D'ailleurs, Marianne, je ne sais même pas où elle est, la meuf. À chaque fois que je l'invite, elle est jamais là. Oh non, j'ai une notification comme quoi Freya est en burn-out. D'ailleurs, il a toujours pas fait crac-crac avec Miko. Ils sont en train juste de chatter ensemble. Oh là, madame. On va recommencer le bénévolat tout de suite. Je suis désolée, Freya. Toute seule, toujours. Hein, et tu vas faire pour nettoyer les plages cette fois-ci. Tu reviendras une fois que Larry aura fini toutes ses bêtes. J'ai cru qu'elle était en train de rentrer dans la maison. J'ai eu trop peur. Miko, c'est fait. Faut qu'on trouve Marianne. Parce que Marianne, elle vient jamais. C'est affolant. Ok, avec Miko, on a fait nos petites affaires. On peut la virer. On va prendre une douche. On va dormir. On va essayer de s'occuper de tout ce linge. D'ailleurs, ce serait potentiellement cool également qu'on change d'appart. Parce que vu qu'on a nos petits bébés là, c'est un petit peu galère. En sachant que, eh ben, comme Freya, elle est encore enceinte, bah, elle va peut-être accoucher peut-être de 1, 2 ou 3 ou je ne sais c'est quel enfant ou nombre d'enfants. Ça va vite s'accumuler, ça va vite être carnage. En plus, ils sont en train de se plaindre non-stop de leurs fourmis, de leurs cafards et tout, c'est un peu relou. Donc je pense que ça peut être potentiellement ok de déménager. Ok, ok, ouais, je pense qu'on va déménager, je vais faire ça tout de suite. Ok, je les ai fait déménager dans le studio Medina 930, donc 930 studio Medina plutôt, toujours à San Myshuno. Et nous voici du coup dans cette nouvelle maison qui n'a rien à voir avec la précédente, parce que je me suis dit que Freya rajoutait son petit style à elle, même si je pense que ça correspond pas trop à leur style. On va quand même utiliser cette maison, tant pis. Et du coup, voilà tout simplement à quoi ressemble la maison de notre nouvelle famille. Donc il y a plein de lits partout, ici, ici. Il y a une chambre Bambinos juste là, la chambre de Freya et de Larry. Donc ils sont plutôt bien équipés, je pense. Oh waouh! Bébé né, bonjour Larry, ici Janae. Je voulais t'annoncer la naissance de Nathalie, une magnifique fille. Ok, trop bien. Du coup, notre arbre, il ressemble à quoi? Nathalie Prowse. Ok, ben trop bien. Cependant, j'ai que 3 enfants, ça avance pas beaucoup. Hein. J'espère qu'elles vont toutes accoucher là, parce que ça fait un petit peu long. Je comprends pas pourquoi ma femme, elle est déjà... Ouais, nausée matinale, c'est pas très grave. Là, elle est quasiment au 3e trimestre de sa 2e grossesse. Tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît. Au 3e trimestre de sa 2e grossesse. Comment ça se fait? Ouais, je sais pas, écoutez. On verra. Ce n'est point grave. Cependant, madame, qu'est-ce qu'elle a? Elle a passé un jour férié de nulos. Par contre, elle a envie de boire un café. Je veux bien comprendre, ma belle, mais par contre, ça m'énerve quand il se lève tout le temps. Tout le temps, il se lève pour rien, je comprends pas. Bon, Larry va se réveiller, il va faire pipi et on va aller à la conquête de nouvelles femmes. Ah, j'ai cru qu'elle allait m'annoncer qu'elle était enceinte. Enfin, qu'elle avait accouché du moins. Je suis un peu dépitée, j'avoue. On va prendre une portion là où notre chat met ses grosses fesses. Mais c'est pas grave, hein, on aime Salem comme il est. Je pense qu'on va cette fois-ci réellement bouger. C'est quoi ici? Un centre artistique. Bon, attendez, on va aller quelque part. Allez, on va voir. Oh, bonjour Larry, ici Aria. Vous ne devinerez jamais, j'ai eu des triplés. Héloïse, Eric, Cédric se portent très bien. Franchement, incroyable. Bah trop bien, des triplés, waouh, mais c'est trop bien. Je suis arrivée au café, d'ailleurs, ce café a été fait par NS. D'ailleurs, toute la map au niveau des constructions des maisons, etc. a été fait par NS. Et il y a une femme qui est juste là, donc on va la rencontrer. Et je voulais voir notre arbre généalogique. On est passé de tout à rien. J'ai regardé, on était que 3. On est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Belda, elle a été triplée. Cohen, Caliente, Cohen, Ito, Price. Ok, mais c'est trop bien. Bon bah bonjour, enchantée Robles. Robles, ça me dit un truc. Je pense qu'à mon avis, elle aura peut-être plus de place. Hein. Mais regardez-moi toutes ces femmes qu'il y a. Lily, on va lui dire bonjour. Voilà, hop, bonjour Madame Lily. Voilà, là c'est qui là-bas? C'est Sonia. Mais comment ne pas pécho la magnifique et incroyable Sonia Gothique? Bonjour Madame. Mais regardez-moi ces belles femmes qu'on a récupérées. On a du coup May, Melee, Lily, Sonia. On a rempli. Est-ce qu'on peut pas potentiellement commencer quelque chose ici comme ça au cas où, bah, si notre femme rentre, bah, on peut le faire ici, ce serait bien. Je crois que je vais ajouter un petit placard, je pense. Après, j'ai la peau d'ours. Ce serait bien quand même que j'en mette une dans l'inventaire de Larry. C'est vrai, au moins, on pourrait le faire un petit peu n'importe où. On va mettre un petit placard à balai. Allez, on va faire ça comme ça. Je pense que ça peut être bien. Voilà. Et on va commencer une réunion ici. Tout de suite commencer avec Sonia. Et essayer de faire un bébé dans le placard à balai. En plus, ça change
de la méthode. Ah là là, Nina nous a vu le tromper. Enfin, la tromper plutôt. Ok, Sonia, c'est fait. Je pense qu'on va les virer à la fin. Comme ça va être plus simple. On va faire ça avec May également. Hop, essayer de faire un bébé dans le placard balai. Voilà. Et de 3. Bah là, il les enchaîne, hein, pour une fois. Là, on va se présenter romantiquement à cette demoiselle parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer du coup Sonia, May et Marianne. Au moins, ça c'est fait. On va la rajouter direct là. Comme ça, on pourra la pécho et qu'on va commencer déjà directement un petit crac-crac. Essayer de faire un bébé dans le placard à balai. Voilà, on va faire ça tout de suite. On va enchaîner avec Lily. Essayer de faire un bébé dans le placard à balai. Voilà. Larry, j'ai donné naissance à Raphaël. Ok, nice. Ça c'est cool. Par contre, je veux bien faire crac-crac avec elle, s'il te plaît. Bon, ok, rencontre des femmes. Au moins, ça c'est fait. Freya. Non, c'est mon patron qui m'appelle. Pourquoi ils me disent que c'est Freya? Je comprends pas. Et j'aimerais qu'il fasse toujours un bébé avec Lily en fait. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne des masses. Ok, Larry, il est sorti. D'ailleurs, il y a encore d'autres femmes. Par contre, il y avait Clara. Ouais, voilà. La belle et grande madame Clara Berg-Johnson. On va du coup virer Lily et Rose. On va rajouter du coup toutes les nouvelles femmes qu'elle a rencontrées. Donc on avait elle, elle. Elle, on peut pas. On avait elle. Ok, et Clara, du coup, ça fera le tout, quoi. Ok, et Clara, juste ici. Bon, bah, ça va. On a au moins fait notre petite ressource. Là, on a encore d'autres femmes. Je pense qu'on va se présenter à Hilary, par exemple. Pas une femme. Ça fait très primitif, comme je le dis. Voilà. Là, on a rencontré en vrai plein de femmes. Par contre, ils s'entendent vraiment pas. Aïe, 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 le carnage. Est-ce qu'on continuerait pas, en attendant, à potentiellement faire crac-crac avec les femmes qui sont juste ici par exemple, en attendant. J'ai pas l'impression que ça fonctionne de faire crac-crac parce que je crois qu'il pue la mort. Donc je pense que c'est un petit peu dead là pour faire crac-crac. On va aller se laver, je pense, ça va être mieux. Non, on va rentrer à la maison et je pense qu'on va simplement s'arrêter ici pour cet épisode. Je pense qu'on a quand même pas mal avancé. On va juste faire un check-up avant de s'arrêter. Comme ça, on pourra un petit peu voir. On va accompagner Larry à la maison. Et j'ai vu également que c'est bientôt l'anniversaire de Sasuke, donc de Sakura aussi, je suppose. Donc on rentre à la maison tout de suite. Je viens de rentrer, je viens de voir comme quoi elle a un blocage mental et tout, Freya. C'est quoi ce bazar? Je pense qu'elle va prendre des jours de congé parce que sinon elle va juste vriller en fait complètement. Prendre des congés pour raison familiale, voilà. Ok, donc demain Sasuke et Sakura grandissent. Freya, elle va coucher dans combien de temps? Dans, on ne sait pas. Donc à tout moment elle accouche en fait avant la fin de l'épisode. Mais je pense qu'on va attendre ça du coup, comme je vous le disais, pour le prochain épisode. On va juste faire un check-up de l'arbre généalogique de Larry. Ok, ça a encore grandi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 enfants. Je suis assez contente. On pourrait d'ailleurs pécho sa femme à elle. Mais ok, 12 enfants en 3 épisodes. Je pense que ça peut avancer super vite. Je suis trop contente. D'ailleurs, en plus, notre femme, elle est bien en grossesse. Elle va accoucher pour l'épisode prochain. Donc ça va aller super rapidement. D'ailleurs, je vais marquer alignement cosmique, je pense, aussi dans la maison, dans l'appartement. Ça va être plus simple. D'ailleurs, j'espère que vu qu'on a fait crac-crac en extérieur, bah, on aura quand même des triplés ou des jumeaux. Je l'espère. Ok, c'est sur un Larry tout sale et fatigué qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. N'hésitez pas à me faire des mamans pour Larry tout simplement, comme ça ça vous implique aussi directement dans le challenge. Je vous mettrai un petit hashtag en description, donc si vous souhaitez faire des mamans, n'hésitez pas. Je suis quand même pas mal contente parce que avec Larry on a réussi à faire quand même pas mal d'enfants, 12 enfants en tout. J'ai hâte que nos autres mamans tout simplement accouchent et j'ai hâte que Freya accouche dans le prochain épisode. Et d'ailleurs n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait vraiment super plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc je vous dis à la prochaine.